Des regrets avec la non-sélection du stadium pour l'Euro 2016, un débat animé avec le projet de révision du plan de déplacement urbain et une unanimité ce matin au conseil municipal. Elle s'est exprimée autour du vélo Toulouse qui sera disponible 24 heures sur 24 à compter du 6 juin prochain. Plus de services et l'espoir aussi de limiter la casse. Après 2h du matin, quand des jeunes qui sortent de boîte, de faire la fête, veulent prendre un vélo et qui trouvent le service fermé, nous pensons que ça pouvait générer des gestes d'énervement qui se répercutaient sur l'état des vélos. Et le fait que le service soit accessible, nous pensons nous, que ça devrait diminuer la casse encore. Des vélos plus disponibles et des abonnements simplifiés. Désormais, il sera possible de coupler abonnement Vélo Toulouse et carte pastel. Avec plus de services, faut-il s'attendre à une hausse des tarifs? Non, à part le ticket journalier qui va augmenter, qui va passer de 1 euro à 1,20 euro, mais tous les abonnements restent au même niveau, et y compris pour les utilisateurs de la carte pastel qui feront mettre l'abonnement vélo sur leur carte pastel, il y aura une baisse de l'abonnement de 5 euros. Sachez enfin que des applications gratuites existent sur smartphone pour vous aider à localiser les bornes les plus proches. Autant d'arguments pour transformer le Vélouse en petite reine de la nuit.